Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, doit-on jeter toutes nos méta à la poubelle pour ce nouveau commandant énormissime? Doit-on urgemment stocker les sculptures en or pour l'expertiser rapidement? Va-t-on avoir un event Lilith en France prochainement? C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Il y a tout, les infos, les screens, les tips, les guides, tout est sur le Discord les amis. Avant de commencer les amis, je vais répondre à cette question que vous m'avez tous demandé. Qu'a donné le résultat de mon plus grand gouverneur, de mon MGE? Est-ce que j'ai tenu la position? Eh bien oui, j'ai fini en première position. Je n'ai malheureusement pas atteint mon objectif. Hein. Je voulais dépasser les 150 millions de points. Je suis resté à 135 millions, mais ça suffit hein, pour gagner et pour prendre la première place. Hein, comme vous le voyez, hein, j'avais un petit peu plus de 20 millions d'avance sur Silent Crow, qui était bien remonté. Hein. J'ai discuté avec lui juste avant la fin. Il a bien enchaîné, mais il avait plus de speed-up. C'est pour ça que sur le terrain, sur l'open field, il n'a pas réussi à me rattraper. Heureusement, parce que je vous avoue hein, que j'étais un petit peu claqué sur la fin. Bref, j'ai mes 180 sculptures de notre ami Henri V. On va pouvoir le monter. Il ne me reste plus beaucoup de commandants hein, que je n'ai plus ou que je veux. Il me reste Yandiska et Bertrand. Les quatre autres que je n'ai pas, je n'en veux pas. Donc comme ça, on est bien. On rattrape son retard petit à petit sur ce Ghost Kingdom. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé les avantages d'être sur un royaume mort. Hein, comment faire pour se rendre dessus, etc., etc. Je vous en parlerai en vidéo, les amis. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus et vous verrez qu'il y a plein de choses sur un royaume mort qu'on ne se doute pas avant d'y être. Hein. Vraiment, c'est très intéressant ce genre de choses qu'on peut découvrir. Passons à la partie event, les amis. Est-ce que Lilith va nous préparer un event en France prochainement? Puisque, regardez, pour ceux qui ont raté cette annonce, Lilith va organiser une rencontre de la communauté à Cologne en 2023, cette année, le 18 novembre. Alors pourquoi l'Allemagne déjà? Je n'ai pas compris pourquoi ils vont sur l'Allemagne plutôt qu'un autre pays. Peut-être que c'est là qu'est leur plus large communauté. Peut-être que c'est là qu'il y a le plus de payeurs. Mais c'est surtout là-bas, en Allemagne, qu'il y a Baba, leur plus gros payeur. Enfin, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. Maintenant, ce n'est sûrement plus le cas avec les joueurs du 1960, par exemple. Mais en Europe, je pense que sur l'Europe, hein, Baba est peut-être le numéro 1 des dépensiers, des rois de la CB. En France, on n'en a pas de méga baleine équivalente à Baba qui joue encore. Donc peut-être c'est la raison pour laquelle ils vont en Allemagne. Si certains d'entre vous ont prévu de se rendre à cette rencontre, n'hésitez pas à venir l'échanger sur le Discord. Hein, vous ferez les reporters avec des photos. En tout cas, on en aura plein, c'est sûr. Il va falloir suivre ça. Est-ce que l'event va être éclaté comme ceux qu'ils font en Chine, qui sont des events vraiment atypiques? Ou est-ce que ça va être un event ultra sympa comme ils font en Corée du Sud? J'espère qu'on sera plus à l'image des events de la Corée du Sud. Évidemment, on va voir ce que ça donne. On va voir si, comme dans les autres events, ils lâchent des exclusivités. On a toujours eu dans les events en Asie des petites exclus. Est-ce qu'ils vont faire pareil là? On va suivre ça les amis. Et j'espère qu'on aura prochainement d'autres events en Europe. Pourquoi pas en Espagne, à Madrid, à Barcelone ou en France, à Paris. Pas de raison qu'on n'en ait pas, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas prévu. Il faut dire qu'en France, il y a peut-être la barrière de la langue. La communauté française parlant bien moins facilement anglais que la communauté allemande. Il y a aussi peut-être ce choix qui a été fait, et peut-être Lilith n'a tout simplement pas de représentant qui parlerait français, contrairement à un grand nombre de boîtes chinoises, comme Huawei par exemple. Hein, Huawei a beaucoup de collaborateurs chinois en France qui parlent parfaitement français, hein, pour avoir été démarché de nombreuses fois par eux sur ma chaîne. Eh bien, je peux vous garantir que leur français est vraiment de très haut niveau. On va suivre ça les amis, encore une fois, je ne manquerai pas de vous faire un retour le 18 novembre, donc cette rencontre
avec la communauté de Lilith en Allemagne. On va passer, les amis, au rapport de Gorgo, puisque Gorgo a pop à la fin du MGE sur les serveurs chinois. On a les premiers rapports. Faut-il jeter toutes nos métas d'open field, d'attaque et de défense pour monter Gorgo ultra rapidement? Regardons ce premier rapport. On a donc un rapport d'open field avec tout de même un Boadicea, un duo énorme en open field, hein, l'un des plus solides, le deuxième plus solide, on le verra après, hein, ça sera Nevsky Jeanne d'Arc, qui est pour moi le meilleur Nevsky Jeanne d'Arc actuellement en open field. On a, en tout cas c'est celui avec lequel j'ai des trades de ouf, Gorgo, Liu, 200 000 à gauche, pareil pour Boadicea, 200 000 à droite, on est bien sur de l'open field. Regardez, 23 000 blessés graves du côté de Gorgo, 33 000, 10 000 de plus du côté de Boadicea. Sur le nombre de troupes restantes, c'est simple, il reste un gros cinquième de troupes restantes, hein, à Gorgo, donc plus de 20% de troupes restantes. Et bien évidemment, Boadicea perd, donc un premier rapport très favorable pour Gorgo. Alors celui-là, on aurait pu s'en douter, déjà un, je vous avais montré avec le simulateur Rock Simulator, hein, que ça donnait à peu près le même résultat, et deux, c'était évident que Gorgo, hein, elle allait plier les archers. Là, on est plutôt sur quelque chose de prévisible. On va voir ce que ça donne avec d'autres binômes, même si Boadicea éclate bien des binômes en open field, des binômes solides. Celui-là, en tout cas, il fait plaisir. Et dès que je vois ça, je me dis, tiens, faudrait peut-être que je monte Gorgo et Liuche. Attention, hein, le binôme est important. Gorgo avec Liuche, puisqu'on a les Smite Damage qui font vraiment une très grosse différence. Second rapport. Ah ouais, oui, petite information. Si vous voyez en bas le flou, ce n'est pas moi qui ai flouté, hein. J'ai récupéré les screens qui ont été vraiment mis à disposition sur plein de Discord, sur Facebook, partout. Et ils étaient déjà floutés comme ça. Je n'ai pas cherché à cacher la source, certains disent ça en commentaire, c'est pour ça que je vous donne la précision. Deuxième screen, les amis, avec Nevsky et Jeanne. Regardons donc, hein, Nevsky, Jeanne d'un côté et Gorgo, Liuche de l'autre. Et là, c'est la même, c'est même bien pire. On a 200 000 des deux côtés, forcément, mais seulement 25 000 blessés graves du côté de Gorgo. Pour 50 000, le double blessé grave du côté de Nevsky, il se fait défoncer. Il reste 77 000 troupes du côté de Gorgo pour 0 du côté de Nevsky. Ça fait plus de 35% de troupes restantes du côté de Gorgo. Donc quand on regarde ce rapport-là, déjà on se dit, bon, je vais peut-être devoir le monter parce que Nevsky Jeanne d'Arc n'est plus à son prime apparemment. Encore une fois, ça dépend de bien des facteurs. Ne vous précipitez pas pour monter Gorgo et jeter à la poubelle Nevsky Jeanne qui reste un duo extrêmement solide. En plus, il faut voir en défense, il faut voir en plein de choses, plein de comparaisons, hein. En Murder Ball, il faut voir l'équipement, il faut voir les technologies de cristal quand vous êtes en soc en KvK saison 4. Bref, plein de facteurs à voir avant de pouvoir comparer aussi linéairement. Et puis, il y a plein de binômes à tester. Donc, deux matchs avec deux duos superstars en open field. Nevsky, Jeanne d'Arc d'un côté, Boadicea, Zugliang de l'autre contre Gorgo, Liu. Et Gorgo, Liu gagne. Troisième rapport, les amis. Regardons. Donc, on a cette fois Gorgo avec notre ami Aetius Flavius. On est sur une défense, vous le voyez. Hein, c'est un test en Osiris. On le voit bien que c'est un test puisque c'est la même alliance des deux côtés. Hein, les T2S, hein, T2-S, c'est bien ça. Et cette fois, on a un duo très très lourd en rallye. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai débloqué Henri V pour pouvoir avoir un duo archer en rallye solide. Henri V, Zugliang, donc Gorgo et Aetius. Alors moi, j'aurais pas testé Gorgo et Aetius en premier, j'aurais testé Gorgo Heraclius en premier, voir ce que ça faisait en troupes mixtes, hein, si c'était ultra solide. Et regardez ce rapport, 1 million de troupes des deux côtés, 104 000 blessés graves du côté de Gorgo, 153 000 du côté d'Henri V.
En fait, Henri V, il se fait pas tant éclater la bouche que ça. Il n'y a pas eu de renfort d'aucun des deux côtés et il reste 240 000 troupes, soit 24%, le calcul est simple, 24%, un quart, un petit quart de troupes restant à Gorgo. Donc, même en défense de bâtiment, avec Aetius Flavius, qui n'est pas forcément le meilleur des binômes. Je pense encore une fois qu'avec Heraclius, ça serait encore pire, voire Zenobia, faudrait tester avec Zenobia également. Gorgo a l'air très solide. Donc pour le moment, Gorgo en open field, ultra solide. Gorgo en défense, ultra solide. Rares, très rares sont les binômes qui sont solides sur les deux, open field et défense. Et il n'y en a aucun qui est solide sur, très solide, sur l'open field, sur la défense et sur le rallye. En tout cas, moi, je n'en ai trouvé aucun qui était suffisamment solide pour y jouer sur les trois. C'est un petit peu le but, hein. Sinon, on monte plus que cela et on n'a pas besoin d'autres pairings. Hein. Regardez à présent le quatrième rapport, les amis. Ce que ça donne, on a sur une défense de flag, on a Gorgo avec Liuche, toujours solide. Celui-là, binôme très très bon binôme en open field. Qu'est-ce qu'il va donner en défense cette fois? On a toujours Boadice Henri V, un excellent binôme de rallye. 2 millions de troupes des deux côtés. Il y a eu un petit renfort, regardez, du côté du 4666S. Hein, on le voit, un petit renfort, on ne sait pas à quelle hauteur. En tout cas, ça a bien renforcé 2 millions. Ah si, ça a renforcé 200 000, puisque si on fait le cumul de tout, on est là-dessus. Ça a renforcé 200 000. On a 60 000 blessés graves du côté de Gorgo, 130 000 blessés graves du côté de Bois. On n'est pas sur des blessés graves, on est sur des morts du côté de Boadice, puisqu'on est en défense de flag. Hein. 19 000 blessés graves du côté de Gorgo. Ça fait un total de 80 000 contre 130 000. Et le rallye a été disband, puisqu'il restait des troupes hein, du côté de Boadice. Ça n'a pas duré longtemps, regardez, ça a duré à peine 30 secondes, hein, on le voit, minuit 39, 24 secondes en haut à gauche, minuit 39, 54 secondes, mais suffisamment pour qu'il voit qu'il perd deux fois plus de troupes. Donc, il se serait fait éclater la tête, Boadice Henri V, clairement, Gorgo avec Liuche, très solide en open field et très solide en défense de flag. Mais là, je pense que ce rapport n'est pas viable puisque le stuff de Gorgo, à mon avis, est nettement supérieur sur ce rapport. C'est pour ça, il va falloir attendre davantage de tests de rapport que nous le débloquions. Je pense qu'on l'a au prochain MGE, donc dans 15 jours, on devrait avoir Gorgo normalement. On passe à l'avant-dernier rapport, les amis. Cette fois, on a Gorgo avec Liuche face à Henri V, Zugliang, toujours ce binôme très très lourd. On est sur une défense de porte, donc toujours en situation réelle cette fois. Et donc le stuff est forcément non contrôlé. 3 millions du côté de Gorgo, donc ça s'annonce déjà mal pour Henri V. 2 840 000, hein. C'est pour ça que ça s'annonce mal, parce qu'ils sont moins 160 000 de moins. Regardez le nombre de morts, 192 150 morts du côté de Gorgo, 259 800, autant dire 260 000. Du côté d'Henri V, c'est quand même solide. Hein. Si on regarde la puissance, hein, ça a perdu 232. Allez, ça doit être 232 000 d'un côté, 307 000 de l'autre. Hein, parce qu'au million, ça ferait beaucoup tout de même. Ouais, non, à mon avis, c'est 2 320 000 parce que 232, c'est pas assez. 2 320 000 d'un côté, 3 millions de l'autre de perdu. Et regardez, hein, le rallye Wind a été disband. Henri V était en train de se faire éclater. Alors, il perdait pas tant que ça, on pourrait croire, mais quand même 30% d'écart hein. En plus, ça a bien renforcé en plus du côté de Gorgo, ce qu'on n'a pas hein, sur le rapport, on va juste un renfort du côté des wins, donc là, aucune chance du côté d'Henri V, encore une fois, mais ce rapport est moins fiable que les trois premiers que je vous ai montrés en open field, qui étaient vraiment des rapports de test, là on est en situation réelle, et le stuff n'est pas contrôlé, donc Gorgo, Liu, très solide en tout cas pour le moment. On finit, les amis, avec le dernier rapport, 466S147TQ. On est sur un rapport vraiment qu'on maîtrise là, peut-être pas autant que les autres, comme je vous le disais, on est sur une défense de flag. On a Boadice Gilgamesh. Alors, vous allez me dire, pourquoi sortir Gilga là-dessus? Ça reste un bon binôme, même si c'est loin d'être le meilleur. De l'autre côté, on a Gorgo Liuche. Boadice Gilgamesh, à mon avis, même sans avoir vu le rapport, j'aurais pas parié sur lui.
2 millions pratiquement des deux côtés, un tout petit peu moins, 1 979 000 du côté de Boadice. Elle a perdu 79 000 troupes mortes, de l'autre côté 35 000 troupes mortes, donc plus de deux fois moins. Donc même si la puissance n'est pas perdue en rapport de deux, en nombre de morts, c'est deux le rapport, parce qu'il y a aussi les blessés graves, hein, 11 000. Ça se rajoute. Et on le voit bien, Gorgo Liuche éclate une nouvelle fois son adversaire Boadice. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme conclusion de tous ces rapports? Faut-il rapidement monter Liuche et Gorgo? À ce stade-là, je vous dirais non. Stockez vos sculptures si vous le pouvez, si vous avez la capacité de gagner, mais de gagner des sculptures à des events. Mais ne vous précipitez jamais sur un nouveau commandant lorsqu'il sort, sauf si vous êtes une méga baleine. Et petit tip, si vous pouvez vous le permettre, encore une fois, si vous êtes sur un serveur où vous pouvez vous le permettre, ne faites pas l'erreur que je n'ai pas faite sur le plus grand gouverneur. Lors du dernier jour du plus grand gouverneur, hein, vous êtes beaucoup à vouloir gratter une place, deux places, trois places. Si ça ne fait pas forcément la différence, hein, et je parle gratter des places, pas en killant des adversaires, mais en créant des troupes. Ne claquez pas ni vos accélérateurs pour claquer des troupes, hein, ni des accélérateurs génériques pour soigner sur ce sixième et dernier jour. Car le lendemain, le dimanche, vous allez en avoir besoin pour jour d'entraînement. Donc j'ai stocké un maximum, moi, pour jour d'entraînement. Enfin, un maximum, ce qu'il faut. Je n'ai pas claqué sur le sixième jour. Car jour d'entraînement va vous permettre de récupérer 20 sculptures en or si vous êtes en rang 1, 10 en rang 2. Donc, si le gain potentiel que vous pouvez avoir n'est pas de 20 sculptures, si vous pouvez viser le rang 1, ou de 10 sculptures, ne claquez pas des accélérateurs sur le dernier jour du MGE, sauf si vous êtes hors de la barrière des 15 et que ça vous permettrait de débloquer le commandant, bien évidemment. Ou si vous n'êtes pas en mesure d'atteindre le rang 1 ou 2, si c'est qu'à partir du rang 3 ou 4, oui, vous aurez plus de sculptures sur le plus grand gouverneur. Donc là, vous pouvez le claquer. Moi, visant le rang 1 de cet event, je n'allais pas claquer des accélérateurs alors que j'allais pouvoir, en créant des troupes le samedi, bien évidemment, je parle bien en créant des troupes et pas en soins, en créant des troupes le samedi, alors que le lendemain, si je le fais, je vais pouvoir bien me positionner et récupérer plus de sculptures en or. Encore une fois, si j'en gagnais 20, ça ferait qu'en 3 jours, j'aurais gagné 200 sculptures si on compte les 180 que j'ai gagné sur Henri V. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo au niveau de mon MGE, avant que vous me posiez de mon MGE, de mon KVK, avant que vous me posiez les questions en commentaire. Je vous ferai une petite mise à jour. Pour le moment, on est en train de se faire dépasser au nord. On en reparlera évidemment très prochainement dans la semaine. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.